just survive. Oh, you will see me thrive. Can write my story. 10 ans. Un espace-temps de vie que je n'osais espérer le 7 février 2006 à l'annonce de ce diagnostic, lymphome folliculaire stade 3, posé comme un couperet sur une existence qui se projetait vers la sérénité. Outre le bouleversement que génère l'annonce d'un cancer, ce jour-là naissaient aussi tous les questionnements sur la maladie, les façons de la combattre et les meilleurs atouts utilisables pour réduire ses impacts sur le quotidien. Sur le combat à mener, le premier entretien avec mon hématologue m'a fourbi la première arme, la confiance dans la prise en charge médicale qui était mienne. J'ai également immédiatement su, et mon proche entourage avec moi, que je devais être acteur de première ligne dans ce combat. 2 décennies plus tôt, j'avais découvert la montagne. Pour cause d'activité professionnelle, je ne la fréquentais que de manière épisodique, mais suffisamment pour prendre conscience du bien-être physique et mental qu'elle m'apportait. Avec la retraite, j'avais en projet d'être plus souvent en symbiose avec cette force de vie qui s'en dégage dans chaque vallée, sur chaque sommet. La maladie n'a pu être qu'un frein à une passion qui s'avérait être la meilleure des armes de ma lutte personnelle. 2006 a été également l'année où j'ai rejoint France Lymphome Espoir. Durant toutes les années de mon bénévolat dans cette association, j'ai toujours eu la démarche de valider auprès des patients rencontrés le bénéfice de l'assouvissement d'une passion pour traverser l'épreuve d'un cancer. Aujourd'hui encore, c'est le message que je veux transmettre.
À défaut de pouvoir se consacrer au plaisir qu'apporte habituellement la vie, les bonnes bouffes, l'amour, l'investissement professionnel, je crois qu'il faut profiter de ce moment privilégié pour réaliser une recentration sur soi-même et ses désirs profonds. La maladie est le moment privilégié pour arrêter de courir, arrêter un peu de s'occuper des autres et du désir des autres, entrer progressivement dans une relation beaucoup plus vraie avec la vie. Je n'ai pas encore répondu à toutes les questions, mais certaines s'esquissent. Désir de liberté et non de possession, désir d'ouverture, désir de voyage et de découverte, désir de savoir, désir de partage. J'ai été dépossédée de mon corps et de mon avenir et je dois réapprivoiser tout cela, rétablir une continuité entre l'avant et l'après. J'ai pensé à un changement d'orientation professionnelle, le métier de journaliste qui me trotte dans la tête depuis quelques années. Mais après divers renseignements, je crois que je n'ai pas le courage aujourd'hui de m'attaquer à une mission, disons, très difficile. Même si je me retrouve aujourd'hui plus libre, avec la conviction qu'il faut y aller, je ne sais pas par quel bout prendre les choses. Bon, il semble que ce vivre guéri prend un certain temps, je serai donc patiente. Je suis journaliste depuis 5 ans, et même si ça n'a pas toujours été facile, j'ai la sensation d'être à ma place, et je continue à me battre pour avancer. Armel, agriculteur en Ille-et-Vilaine. Pendant plus de 20 ans, j'ai utilisé des pesticides sans protection. En 2001, je suis passé en bio. En 2006, suite à des fatigues anormales et des sueurs nocturnes, j'ai subi des prises de sang qui ont révélé une forte leucopénie. Du coup, il a été pratiqué des biopsies de moelle qui ont révélé un lymphome bas grade, CD5. Ensuite, les échographies ont montré une splénomégalie galopante. Du coup, en mai 2013, l'ablation de la rate a été vraiment obligatoire. Et depuis, je suis en rémission. Et grâce à l'association PhytoVictimes, nous menons un combat sur le terrain de tous les jours pour éviter que ça se reproduise chez les autres agriculteurs. Et en Bretagne, on a une autre association qui s'appelle Soutien aux victimes des pesticides, dont Armel adhère. Ça nous aide administrativement. Et il a une passion, c'est son chien. Voilà. Alors, je suis Liliane, j'ai 35 ans et j'ai eu le lymphome de Hodgkin en 2007. J'ai été diagnostiquée avant l'été, c'était un petit peu un été difficile, mais le traitement s'est finalement bien passé. J'ai eu la chimio à BVD, j'ai ensuite eu des séances de radiothérapie, ça a duré 6 mois, c'était fini en mars 2008 où j'ai été déclarée en rémission complète. C'était à Montpellier. J'ai été suivie ensuite à Toulouse, puisque je suis venue à Toulouse. Le professeur Laurent, en 2012, a déclaré qu'il n'y avait plus besoin de suivi parce que j'étais guérie. Guérie, ça voulait dire lancer un petit bébé qui est arrivé en 2013. On l'entend. Qui est arrivé en 2013. Et ensuite, 2 ans après, son petit frère a suivi. Donc, aucun problème d'infertilité avec la chimio à BVD. Il n'y a eu aucune conséquence là-dessus. Ça a été la super nouvelle. Voilà, la vie a repris. Bonjour Jean-Louis. Bonjour à tous. Juin 2003, un lymphome non-Hodgkinien de la zone marginale. 10 ans de soins et de traitements. Comment avez-vous vécu cette période? Difficilement, mais la compétence du personnel médical, des soins complémentaires et le soutien de mon épouse m'ont fortement aidé. L'annonce du diagnostic m'a questionné sur mon mode de vie, mon alimentation, ma gestion du stress, mon environnement. Vous avez côtoyé plusieurs collaborateurs faisant de la maintenance de chaudières industrielles comme vous, atteints de cancer et décédés. Ces faits graves m'ont conduit à la lecture d'études et publications établissant un lien entre le lymphome et l'exposition à certains polluants en milieu confiné. D'où un souci de prévention pour les autres et une reconnaissance en maladie professionnelle pour moi.
Comment s'y prend-on ? Il faut adresser une demande de reconnaissance et un certificat médical à la CPAM. Le lymphome étant une maladie hors tableau, la CPAM saisit l'avis du C2RMP et la machine judiciaire est en marche. Mieux vaut être accompagné par une association telle que France Lymphome Espoir ou la FNAT, Fédération Nationale des Accidentés du Travail, comme dans mon cas. Et aujourd'hui, où en est-on ? Côté incinérateur, les normes européennes ont conduit à l'abaissement des rejets et supprimé la reformation des dioxines sur les suies. Après 9 ans de procédure, j'ai été reconnu en maladie professionnelle. Mon lymphome est sous étroite surveillance dans l'espoir des nouveaux traitements. J'ai dû adapter mon rythme de vie à la pathologie pour profiter de mes proches et de la vie. Juillet 99, le diagnostic tombe. Lymphome folliculaire. Je ne sais pas ce que c'est, mais je comprends que c'est très grave et d'un seul coup, je n'ai plus d'avenir ni proche ni lointain. Le lymphome est indolent. Le temps passe, les petits-enfants grandissent, on déménage, on oublierait presque. 2011, le lymphome se réveille, devient agressif. Chimio dure, rémission. Quelqu'un me dit « Après une telle épreuve, tu dois trouver la vie merveilleuse. » Non, je suis contente de reprendre la vie là où je l'avais laissée dans l'ordinaire des jours. Bonheur de pousser à nouveau seul son caddie au supermarché. Bonheur tout simple de préparer à nouveau un repas, une fête de famille. Bonheur à nouveau de savourer la première gorgée de bière à la terrasse d'un café. Bonheur de reprendre tout doucement mes activités préférées. Le café philo et ses participants. Le cours d'espagnol toujours festif. Bonheur de retrouver les salles de cinéma, de concerts, de théâtre. Et même, bonheur plus rare, de vibrer au spectacle d'une corrida. 1998. 2016, 18 ans de vie ordinaire, parfois extraordinaire. 18 ans, le temps de voir les petits-enfants se tracer un avenir. 18 ans, ça vaut le coup de tenter l'aventure des traitements. 18 ans, ça vaut le coup de faire confiance, de remercier les médecins, parce qu'ils n'attendent qu'une chose, que chacun reprenne la vie là où il l'avait laissée. Bonjour, je m'appelle Franck, je suis breton, j'ai 43 ans et je travaille à Deauville en Normandie. Fin 2009, j'ai été diagnostiqué d'un lymphome T anaplasique à grandes cellules de stade 4. Aujourd'hui, en rémission complète, si je dois cette issue à la médecine en premier lieu, je la dois aussi à tout ce qui m'a permis de tenir physiquement et moralement. Mes amis, les collègues, des exutoires comme l'écriture, la guitare, des apprentissages aussi comme la cuisine. France Lymphome Espoir et son forum, un allié incontournable. Mais bien sûr, avant tout, ma famille, et en premier lieu, ma femme et ma fille. Elle n'avait que 7 ans. J'ai tellement eu peur de devoir la quitter pour toujours que ça m'a donné une force incroyable pour ne jamais rien lâcher. On a vécu beaucoup de moments ensemble quand sa maman travaillait. Elle a été et elle reste une énergie quotidienne incroyable que j'ai découvert avec la maladie. Aujourd'hui, je me réjouis de pouvoir la voir grandir, jour après jour. Ça vaut vraiment la peine de se battre. Et que dire de mon épouse adorée, ma moitié, mon rocher, son soutien omniprésent. Cette victoire, c'est aussi la sienne, car hélas, les souffrances n'épargnent pas le conjoint. Elle a été et elle reste ma plus grande alliée. Aujourd'hui, nous chérissons simplement ce bonheur de vivre ensemble, car au final, tant que l'on vieillit, c'est que l'on vit. C'est là ma plus grande des récompenses. Alors à vous toutes et tous, réunis ce soir dans cette belle ville de Lyon pour cette soirée anniversaire, je vous souhaite juste de vivre ce bonheur que nous vivons. Le reste n'est que du plus. Soyez patients, soyez très patients. C'est le prix à payer pour le bonheur retrouvé. Mais quelle récompense ! Quelle récompense !
Vive la vie!